Et bonjour, nous nous retrouvons à 1h17 du matin le 23 décembre. Demain, on est le 24. Donc voilà. Nous nous retrouvons pour un nouveau test de jeu qui est juste Fruit Ninja Puss in Boot. Alors, le Fruit Ninja Puss in Boot n'est pas optimisé pour iPhone 5, c'est bien dommage. Alors, Fruit Ninja Puss in Boot, qu'est-ce donc cette chose inconnue du bataillon que personne ne connaît, que personne n'a jamais entendu parler? Tout simplement, Fruit Ninja Puss in Boot et le Fruit Ninja fait en collaboration avec DreamWorks, vous pouvez le voir juste là, pour le chapeauté. Quand ils ont sorti le film, ils ont fait un jeu. Donc voilà, le jeu est là. Ils étaient récemment, le Fruit Ninja Puss in Boot était récemment gratuit. Donc j'espère que vous avez pris. Sinon, vous allez être obligé de le payer. Donc, si ça vous plaît, bien sûr. Donc voilà. Là, on a nouvelle partie, la planque, bonus, plus de jeu. Donc c'est presque pareil que. En fait, c'est pareil que l'autre. Sauf qu'on n'a pas les mêmes armes et c'est bien. Il y a moins de choses dans celui-là parce qu'il est plus jeune, donc il faut qu'il mûrisse un peu, mais bon voilà. On a Bandidos ou Desperados, en sachant que Desperados c'est le mode normal et Bandidos c'est le mode arcade. Faut savoir. Donc voilà. Mais c'est un mode arcade très particulier, vous allez voir. Alors on va prendre sur le mode normal, donc Desperados, qui est le même que l'autre, si vous voyez un peu la chose, voilà. Donc c'est le même que l'autre, absolument. Donc voilà, donc on va. Le menu pause se compose comme ça. Donc play, retour, son, musique. Et ça, hop là. Ah ben ça c'est pour le dialogue. Donc voilà. Donc nous ce qui nous intéresse le plus en fait c'est de voir Bandidos. Car ah ben regardez, l'application a bugué. Au moins vous l'avez en face. Des fois l'application me plante. C'est des crashs, on ne sait pas trop pourquoi. Donc, on espère que Halfbreaker va justement arriver à rectifier tout ça. Ça serait bien sympa de leur part en faisant la mise à jour pour iPhone 5. Donc voilà. Alors, Bandidos, ouais, c'était ça. Se commence comme ça. Alors, on a justement plusieurs choix. On doit faire plusieurs choses. On a quatre choix et quatre actes. Donc, on peut choisir n'importe lequel. Donc, nous, on va prendre le hasard. Donc voilà, on nous dit ce qu'il faut faire et nous on doit le faire. Donc d'ailleurs, j'ai perdu. Vous avez vu? Donc voilà. Le jeu est. Je trouve qu'il est vachement bien celui-là. Je ne sais pas si c'est moi ou si c'est justement. Parce que voilà, je l'ai parce que je m'éclate bien avec. Mais ce que je peux vous dire, c'est que. Le jeu est vachement beau. Vachement bien fait, je pense. C'est surtout ça le truc. Comparé à l'autre jeu. Donc, j'espère vraiment qu'ils vont faire une mise à jour. Ce serait vraiment super sympa de leur part parce que c'est vraiment quelque chose qui nous manque. Donc, voilà. Je pense que ils vont en faire une bientôt parce que ça se ressent qu'il n'y a pas eu de mise à jour depuis un petit moment. Donc, voilà. Eh bien écoutez, c'était Fruit Ninja Puss in Boot pour la chaîne YouTube, The Rider Clem pour le blog et pour le Twitter. Donc n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, sur Twitter, sur le blog. Sur le blog, vous pouvez vous abonner au flux RSS. Ça sera peut-être méchant pour vous. Je ne l'ai pas encore dit dans les autres vidéos, mais il y a le flux RSS qui a été mis en place. Il y a aussi, alors pour ceux qui ne savent pas le flux RSS, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. En fait, le flux RSS, c'est quelque chose où vous vous abonnez. Et à chaque fois que je mettrai quelque chose sur le blog, vous serez de suite au courant. En fait, on va vous envoyer un email comme quoi j'ai mis quelque chose sur le blog. Comme si vous abonnez à la chaîne YouTube, vous allez recevoir un email comme quoi j'ai mis une nouvelle vidéo. Donc voilà. Le Twitter, c'est moi qui le gère. Donc si vous m'envoyez des messages sur Twitter, je répondrai. Mais ce sera moi. Donc voilà. J'ai quelque chose d'autre à vous dire, c'est que c'est ben, vous pouvez la partager, la vidéo, vous pouvez faire un peu ce que vous avez envie avec, c'est gratuit, preuve du contraire. Donc la partager avec votre famille, votre Facebook, votre Twitter, votre Google Plus, votre Pat, votre tout ce que vous voulez. Pat est un réseau social, je tiens à le préciser. Excusez-moi. Donc voilà. Et je vous dis. À bientôt, et c'était Fruit Ninja Puss in Boot sur iPhone 5 pour The Rider Clem. Au revoir.